Bonjour à tous, ici Agent MC, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue sur Far Cry 5 dans cet épisode numéro 15, bordel de merde. Bah écoutez, c'est parti, on va continuer notre aventure sur ce jeu de merde, si je puis dire. Allez, on va monter l'échelle. Voilà, au moins ils sont capables de faire monter un petit bonhomme sur une échelle, ça c'est cool. Où doit-on aller? Là-bas. Mais je crois qu'il faut qu'on prenne un hélico. Ouais, parce que c'est trop loin. Quoi? Là-bas? Mais ils sont fous ou quoi? Attends, sauver les otages. On va faire sauver les otages. Alors où est-ce que je peux trouver des otages? Détruisez les bateaux. Ah tiens, on va aller là. On va aller ici. Alors putain, mais je fais comment pour y aller là? Pas par là en tout cas. Hein. On va passer par là directement. On va faire le tour de la montagne. Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas me péter la gueule, c'est ça? Casse-toi. Je te mets un coup de lance-roquette dans la gueule. C'est quoi ça? Ok. Ah, j'ai plus de balles, hein. Ce jeu est drogué, hein. Franchement, complètement drogué. Alors, c'est par là-bas. Ah, ne tue pas de civil innocent. C'est-à-dire, t'as un truc qui commence à me target, moi je le tire dessus. Courons. Pendant que ça sert à rien, bien évidemment. Hein. Ah, une cage de survivaliste. On va y aller. On va pas y aller en fait, parce que c'est trop haut. Et que t'achètes un grappin dans les points de talent qui te permettent finalement de pas l'utiliser quoi. Génial. J'adore. Attention toi. Hein. Tu veux venir me tuer, c'est ça? Pas de problème, mon gars. C'est quoi ça? Tu vas te relever? Non, c'est bon, il se relève pas. Ok. Ah, le bateau se déplace. Alors si le bateau se déplace, il faudrait que j'arrive à en taxer un pas très loin. De cas passionnant ce début d'épisode. Ça fait quasiment rien. Arsène Lup. Je crois qu'on va y aller en bagnole là, hein, parce que le temps de le rattraper. D'autant plus que heureusement que j'ai sélectionné la truc. Hein. Voilà. Un ours! Ah bah ça vaut rien du tout.
Absolument rien. Toi, t'as pas regardé avant de traverser, hein? C'est déjà fait. D'accord. C'est déjà fait. Ah, niveau plus. Plus qu'un niveau, j'ai envie de te dire, et puis voilà. Officier, entre nous, je pensais pas qu'on irait aussi loin. Mais tu te bats directement. Nouvelles armes débloquées dans la boutique. Et c'est qu'elle va perdre. Alors continue comme ça. Et oublie pas ce pauvre Burke. Si jamais tu croises le Marshal qui combat par là, surtout tu l'attrapes. Faut qu'on sorte de cette saloperie. Est-ce que c'est un bateau de drogue ça? Ah non, ça me prend ça. Prends-moi ça. Ah bah j'ai bientôt plus de balles, hein. Ça fait un mal de chien. Full drogue ce jeu. Ok. On va piller un peu tout le monde là. Est-ce que ça c'est un truc de drogue? Bah non. Du coup moi je sais pas où ils sont, moi les bateaux. Hein. Je sais absolument pas où ils sont. Là il y aurait une quête ici. Déplacement rapide. On va aller là-bas. On va aller voir ce que c'est que cette quête. Ok, alors nous il faut qu'on aille là-bas. C'est à 617 mètres. Bah allons à 617 mètres alors. Tiens, j'ai nouveau des balles. Étonnant ça. J'avais besoin ça de la poule antilope, non? Ah non. Est-ce que je peux sauter en wingsuit là? Pas sauter en wingsuit là? Oh, il y a un avion là en bas. Il y a un aéronef. Je le prends moi.
attention là-bas. Oh putain! A chaque fois j'oublie qu'il faut rester appuyé sur quoi pour ouvrir le parachute. Un C4 ça va m'arriver, je vais me casser la gueule par terre. Ces petites merdes ont débarqué chez moi pour tuer ma pépèche. Et elle a fugué pour se venger. Connaissant pépèche, elle doit se faire un vrai festin avec ses hippies. Elle doit rôder dans le terrain de camping d'à côté. Ça pue les dessous de bras et la charcuterie là-bas. C'est forcément... Ah, dégueulasse. Allez la chercher et prenez ses biscuits avec vous. C'est comme cette petite pute de Drummond à la marina. Elle vous suivra au bout du monde pour une gâterie. Maintenant, ramenez-moi ma petite chatte. Ta petite chatte, mais tu l'as entre les jambes. Connasse. Ah. Bon. Allô? Ah mais c'est juste là. Ça, c'est ce qui s'appelle se péter la gueule comme il faut. Hein. Ha! Ah, l'accident! Ouais. On a pas fait 3 mètres avec la voiture. Cela dit, j'ai plus de balles. Je crois qu'ils sont morts. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, des munitions pour le lance-roquettes. Là. Pépier ce gars. Équipez-vous des friandises via la roue des armes et lancez-les. Ramener? Et comment tu veux que je le ramène? Ah, viens. Ça, c'est du chat. Viens le chat. Mange les friandises illimitées, viens.
avis. Ah, après t'as une autre friandise là-bas. Ensuite t'en as une là-bas. Fouillez la propriété. Je veux la foutre ce cougar. La vieille folle doit le cacher dans les parages. T'en as une là-bas. Cours. Vas-y, bouffe le pépèche. J'aime pas trop la prière, mais je vais essayer. Seigneur, soyez pas trop con. Allez, viens. Viens, c'est par là. Alors. Ferme cette porte. J'espère que t'es contente. Je me suis fait du souci, espèce de petite merde. Ah, c'est comme ça que tu parles à ta chatte. C'est mal pour quelqu'un de souche italienne. Entre nous, j'aurais pas cru vous revoir un jour. Vous aviez pas l'air d'être une lumière. Mais j'admets que j'avais tort. Mais dites-moi, pourquoi vous garderiez pas cette minette? Ça m'a fait des vacances pendant quelques jours. J'avais pas à m'occuper d'elle tout le temps, lui filant à boire et à manger. Allez, adieu, on en a fini. Aïe. Vous savez quoi, vu que j'ai plus de munitions. Ceux qui suivent la voie le font parce qu'ils l'ont décidé. De quel droit les arrêtes-tu? Ces pèlerins souhaitent le salut. Je t'interdis de les importuner. Rien là-dedans. Je voudrais m'excuser auprès de tous les membres de Dance Gate, et notamment auprès du père Joseph Seed. Hé, hey, officier! On me signale du nouveau stock à la vente dans les boutiques de la Résistance. Ça vaut le coup d'aller voir. Je crois que c'est ce que je vais faire. Hein. Une maintenance d'urgence commence dans 55 minutes et durerait environ 90 minutes. Ah ouais, d'accord, génial. Sur un jeu de merde comme ça, vous faites des maintenances? Ah putain. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Ouais. Ah, libérer la Syrie, c'était ça que je voulais faire. Syrie Baron, bah non, en fait, c'est pas ça. Sauver les otages. Ouais, bah on va, vous savez quoi, on va faire un tour. Attendez, y'a pas un truc à... un flingue là en bas? Attendez, dans le pire des cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là. On va voyager ici. On va voir, peut-être qu'il y a des quêtes encore là-bas à prendre. Je ne sais point. Voilà. T'as fait du super boulot. Si vous pouvez m'enlever ce message qui est en haut à droite, là, ça m'arrangerait. Munitions. Vendre le butin.
Ok. Armes. Alors, avant les armes, les objets. Ah, armes. Donc, voyons voir s'ils se foutent pas de notre gueule. Point américain. Inutile. C'est quoi, c'est le Winchester? P40. Oh, une AK-47. Ah, celle-là, elle me tente. Ça, c'est quoi ça? Ouais. Mais qu'est-ce que ça m'avantage par rapport à celle-là? Précision 6, dégâts 4. Ah, elle fait plus de dégâts en fait. Mais je préfère avoir la mitrailleuse lourde. Ah! On a enfin débloqué le sniper. Ben voilà. Ça, j'achète. Et je vais le mettre à la place de... ça. Mais là, direct, le silencieux. Putain, mais ça coûte... mais ça coûte trop cher! Bon, les gars, on économise. Et lunettes longue portée, on achètera ça. Donc ça fait déjà 1700. Ah putain, faut au moins qu'on économise 3000, quoi. Mais au moins, on a le sniper. Dans armes lourdes. On va mettre là. Voilà. Oh putain! Oh, c'est quoi ça? Lance-pelle! Big Pharma, mais putain, mais ce jeu il est full drogue! Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Attendez, faites voir une fois le sniper! Waouh! Voilà! Ça, mec! Avec un silencieux! Avec un silencieux, mec, et une lunette longue portée. Oh, ça va tellement être pratique pour faire des trucs. Des trucs en discret. Bon, y'a rien à faire ici, hein. Quoique, là, la enquête. Parler. Quelqu'un appelait à l'aide dans l'ancienne mine de Radon. Je suis allé voir, et un connard avec une caméra m'a dit que j'avais saboté la scène. Putain, il fait un film là, maintenant? J'espère qu'il se fera bouffer par un ours. Ok. Mais qu'en est-il des otages à sauver en fait? Ah, faut aller au cache de survivalistes. Mais oui. Mais ça, je le vois partout là en fait. Hein. Faudrait qu'on aille ici là. Voir ce que c'est que ce truc. On va prendre un hélico. C'est parti. D'ailleurs, on a des points de talent, mais je crois pas que je peux acheter quelque chose, c'est ça. Ça prend tellement de temps que... voilà. Oh! C'est parti. Mm-hmm.
Allez, c'est parti pour être en mode drogué. Merci d'être venu. Tu ne comprends pas ce qu'on essaie de bâtir? Ou bien ça t'est égal? Je te vois courir dans tous les sens et t'en prendre à des gens qui ne t'ont rien fait du tout. Ils sont en paix ici. Ils veulent y rester. Je sais bien que tu as des doutes. Mais cette histoire n'a qu'une fin possible. Et tu ne pourras rien y changer. Tes amis au dehors, la peur les contrôle. Ils ne comprennent pas. Mais lui, oui. Elle me garde cette nana. Salut, gamin. Allez. Allez, ça va aller. Je sais que tu es venu me ramener. C'est bon. Elle sait. Tout le monde sait. Je sais que tu penses bien faire. Tu penses que j'ai besoin d'être sauvé. C'est fou. Je n'ai pas envie de rentrer. Jamais. Est-ce que tu as déjà pris le temps de réfléchir au sens de ta vie? Je veux dire, au sens que tu lui as donné. Tu sais, on nous dit qu'on peut devenir tout ce qu'on veut, pas vrai? Chanteur populaire, sportif émérite, star de ciné. Le succès est à portée de main, quoi. Mais non. C'est des conneries. On a des vies sans aucun intérêt. On fait seulement ce qu'on nous demande de faire. Encore et encore. Tout le monde pense pouvoir faire des choix. Mais c'est faux. C'est quand la dernière fois que t'as fait quelque chose par choix, hein? Juste pour toi. Non, non. On vit pas nos vies. Mais la leur. Et on croit tous être libres. Mais ça, c'est qu'un mensonge. Une illusion. Putain de merde. J'en ai vraiment ras-le-bol de tout ça. Je te le dis, moi j'ai plus du tout envie d'obéir. Je refuse d'accepter sans broncher. Et je veux plus être celui qui ramasse les ordures. J'en peux plus. Parce que si c'est ça la vie, alors à quoi bon? Ici, j'ai enfin eu l'occasion de ressentir ce que je ne pensais jamais pouvoir connaître. Le bonheur. Ça le plus important dans la vie. Le bonheur. Méfie-toi de la grâce. Tu dois retrouver le marchage.
Mais t'es sérieux, mec? Maintenant, il faut pas que le Marshall franchisse ses portes. Récupère le Marshall! Vite, tu dois le sauver! Putain, on dirait un zombie, quoi. Laisse-le tranquille! Laisse-le tranquille! Ah, mais cette musique, putain, mais... Ah. Enfin, bref. Tout va bien. Putain, mais encore! T'as le mec qui baise. Putain, mais... Je vais lui parler. Je sorte pour aider les gens. T'en sors, cowboy ? Enfin bref. Je comprends toujours pas l'intérêt de ce jeu, mais... Je pense qu'on ferait mieux de pas trop prendre de mauvaises. Parce qu'en fin de compte, moi je suis allé là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Rien. Il ne s'est absolument rien passé. C'était une mission principale et... Rien du tout. Voilà, maintenant je peux aller là. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de merde? Oh putain, mais t'es sérieux. Bon, ouais. Ouais. Les cougars continuent à repousser la secte Horde Enban River. Bah en fait le truc c'est que je sais pas. Libérer les otages. Et ça on peut le faire ça. Mais pour faire ça, il faudrait trouver des caches. C'est quoi ça? Affiche arcade. Antilope. Ah, là, il y a une cage de survivalistes. Ouais, mais... C'est hors zone. Et c'était quoi qu'il voulait comme pot, l'autre, là? 3 pots de grizzly intacts. 2 pots de moufette. Oh, mais putain, mais mec... Où est-ce que tu veux que je trouve ça, mon gars?
Ah. C'est Adélaïde à la marina. On va aller ici. On va aller ici. Et donc pour ça, on va se TP là. Pour avoir un hélico. On va se rendre là-bas, puis on va faire la mission qui est là-bas, hein, tout simplement. Peut-être que ça va débloquer d'autres missions, je ne sais pas. Parce que là, le coup du grigi que tu trouves jamais, le coup de la moufette que tu trouves jamais, le coup des otages que tu trouves jamais quand t'as exprès la mission, ainsi que les bateaux et les cavern drops que tu trouves pas exprès quand t'as la mission, bah, ça commence à me péter les couilles. Donc du coup, autant aller là-bas. Et d'ailleurs, c'est très loin, hein. C'est à 3000 mètres. Qu'est-ce que j'en ai à foutre du chaos? Pas du tout ce que c'était que ce truc, mais ça l'a fait. T'as de la fumée là-bas. Est-ce qu'on devrait aller voir la fumée? Je sais pas si c'est une bonne idée, mais... D'accord, c'est un avant-poste. Au moins on sait qu'il y a un avant-poste ici. Hein. On ira le faire, on ira le faire. Pas tout de suite. D'abord, je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Me disais bien qu'il y avait quelque chose là, à cette fumée là. Encore une fumée? Attends, mais là où il y a de la fumée, c'est quoi? C'est des avant-postes ou quoi? C'est con que j'ai pas le sniper silencieux. Enfin, j'ai le sniper, mais j'ai pas le silencieux. On a combien de sous, là? On n'a pas assez. C'est quoi ça comme bestiole? Est-ce que c'est un grizzly? Est-ce que c'était un grizzly ça? Reviens là! Je sais pas où il est allé. Voilà.
Ok. Repoussez les impies! Les renforts approchent! Bon, bah, les alarmes ont sonné. Pour quelle raison, je ne sais pas. Ah, d'accord. J'ai été repéré sans être repéré. Tes renforts. Est-ce que tu peux te les carrer? On va le libérer cet avant-poste. Hein. Reviens là, enfoiré. Il y a quelqu'un en fait là-bas, mais je le vois pas. What the heck? Mais ce jeu est full drogue. Ah, venez là si vous voulez. Une requête pour claquer trois bateaux, quoi. Putain. C'était vite réglé, hein. Et vous savez pourquoi j'ai été repéré? Parce que cette espèce d'enfoiré de camion de mer, là, où en pile poil où je suis arrivé, il a tiré, et du coup, ça a déclenché l'alerte. Putain. Bon, en tout cas, on va rester sur cette victoire qui n'en est pas une. Pour tout simplement. Faites attention, ces tarés sont prêts. T'as fait du bon boulot à la marine. La recharger. Les bateaux sont prêts. Adélaïde Drodman est un peu spéciale, mais elle a les moyens de bien emmerder Dunskate. Tiens, la star du moment. C'est le genre de personne. Approche, trésor. C'est important. Voir ce que tu pourrais faire pour elle. Bonjour, mon père. C'est quoi? La saloperie. Eh, on m'a dit ce que t'avais fait à la prison. Adélaïde Drodman, ravi de faire ta connaissance. C'est gentil de m'avoir aidé à récupérer ma marina, mais j'ai un autre problème, trésor. Ces enculés de fanatiques ont piqué mon tulipe. Tu veux faire toi à côté, tu veux lui faire renifler tes aisselles ou quoi? J'ai pas l'intention de laisser ces ratures de bidet me le voler sans rien dire. Je l'ai reçu pour mon divorce, cet hélico, en toute légalité. L'espèce de bite dégénérée qui me l'a volé l'a repeint avec cette horrible couleur mayonnaise des tarés. Alors... Pitié! Mais c'est quoi ce jeu? Eh mais c'est de la vraie merde. Y a pas de conflit là, qu'est-ce que tu me racontes? Viens par là, mon chou. J'ai besoin de ton aide. Où j'en étais? L'espèce de bite dégénérée qui me l'a volé l'a repeint avec cette horrible couleur mayonnaise des tarés. Alors pour le retrouver, tu vas devoir identifier le pilote. Ça devrait être assez simple. Tous les autres hélicos du coin sont pilotés par des femmes. Ah, bizarrement, quand tu dis ça, j'ai l'impression que ça va être compliqué. Mais notre amitié est partie en couille quand ces pauvres débiles ont rejoint Eden's Gate. Alors ça me dérange pas si jamais tu leur exploses la gueule par accident.
Qu'est-ce t'en dis, Trésor? Aide-moi. Et mon Tulipe et moi, on viendra te chercher quand tu voudras. Mais oui, bien sûr, mes couilles sur ton fond. La cabane de chasse. Tour de surveillance d'incendie. Ouais, bon, on fera ça dans le prochain épisode, hein, très clairement. Enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais racheter des munitions. À tout moment, je peux avoir froid aux pieds. Besoin de faire taire quelqu'un. Il y a combien de points là? C'est quoi cette mission encore là? Bon. Les coups, je crois que le silence c'est pas pour tout de suite, hein, très clairement. Bon allez, rendez-vous à la prochaine. Oh yeah. Paf, je me suis fait mal au poignet. Allez, bisous.